tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing parce que je viens de recevoir ma webcam pour mon télé, pour mon ordi. Et du coup je vais l'ouvrir avec vous, c'est parti. Du coup je ne sais pas comment ça s'ouvre, je l'ai reçu depuis quelques heures, je l'ai reçu en début d'après-midi, je ne l'ai toujours pas ouvert parce que j'attendais de vous filmer cette vidéo. Donc voilà, j'essaye d'ouvrir. J'espère vraiment que c'est ça, parce que en fait, je sais même pas si c'est vraiment ça. Mais ça va être ça, c'est obligé. Ouais, c'est obligé que ça soit ça. J'espère juste qu'il y aura tout. Je suis impatiente d'ouvrir. C'est la deuxième fois que j'ouvre quelque chose. Je fais un unboxing en quelque sorte. Parce que j'avais aussi fait un unboxing de mes patins. Bon, j'avais pas appelé la vidéo comme ça parce que je ne savais pas. Voilà. Bon, là, je galère un peu à ouvrir. Je ne vois pas comment je peux ouvrir ça. Ouh là là, je tente un truc un peu dangereux. Allez, allez, allez. Et du coup, je vous referai une vidéo setup plus tard, quand j'aurai vraiment tout, c'est-à-dire un nouveau bureau en fait. Quand j'aurai ma chambre de terminée carrément. J'arrive pas à ouvrir, ça me fait chier. Il faut que j'y arrive. Je suis en train de déchiqueter le carton. J'ai juste fait ça, mais j'arrive pas à ouvrir. C'est abusé. Enfin voilà. Je n'y arrive pas, c'est un truc. Ah ! Ça commence. Je vois pas comment. Encore un petit problème. Allez, ouvre-toi. J'arrive toujours pas, c'est chiant. J'arrive. Toujours pas. Allez. Bon voilà, après à peu près 5 minutes de plus d'acharnement à essayer d'ouvrir. Et en plus je me fais attaquer par des puces, c'est génial. Je viens enfin de recevoir ma caméra. Voilà. Elle est trop bien. Par contre, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas le pied. Mais le pied, il va être minuscule en fait, je me rends compte. Je sais pas du tout. Après, je ne sais pas si je vais l'installer avec vous. Enfin, si, ça va être très simple en fait. J'espère qu'il va pas falloir un temps de téléchargement ou quoi. Je pense pas, parce que pour le clavier, il n'y a pas eu besoin. Parce que j'ai aussi eu encore un nouveau clavier gaming il n'y a pas longtemps. Rouge, c'est clair en rouge. Mais bon, voilà. Un premier prix, mais vraiment assez stylé. Et voilà, oh non, je suis en train d'abîmer la boîte, je sais plus comment ça s'ouvre maintenant ça. C'est génial, il faut que j'enlève là. Allez. Donc voilà, j'ai enfin réussi à ouvrir, j'ai encore mis 5 bonnes minutes à essayer d'enlever le foutu plastique. Donc, oh non, je suis en train d'abîmer un petit peu. Je vais pas toucher plus à ça. Waouh, ça tue, elle est rangée comme ça. Elle est toute petite, elle est trop stylée. Je vous ferai des plans une fois installée, hein, évidemment. Oula, je sais pas comment je sors. C'est bizarre. Il n'y a rien d'autre. Il est où le pied? Il est là le pied. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Alors, c'est énorme. Ah, c'est trop stylé. Donc, oui, c'est vrai, savoir laquelle c'est. Je suis trop nulle pour ça. C'est la C922 Pro Stream Webcam. Voilà. Et elle vient de Amazon. J'aurais dû le dire dès le début, juste zappé. Donc je l'ai aussi commandé sur Amazon dans les 80€. Assez cher, franchement, parce que ça valait plus le coup de la prendre avec un pied et je voulais trop une cam avec un pied pour la mettre un peu où je voulais. Enfin, où je veux, quoi. Et ça vaut plus le coup de prendre avec le pied parce que sans le pied, ça faisait 70€ à peu près. Et avec le pied, ça faisait juste 10€ de plus à peu près. Donc voilà. Il est minuscule le pied. Il est trop stylé. Non, mais c'est chelou. Comment il s'ouvre? Il est tout petit. Non, attendez. Par contre, me dites pas qu'il se rehausse pas un petit peu. Sinon, je trouve ça un petit. Ah non. J'ai eu peur. Ça fait
Exactement comme le pied de l'appareil d'Hugo. C'est trop beau, c'est trop stylé. On va essayer de l'accrocher. Bon, pour l'instant, en fait, je n'ai pas de place à côté de mon bureau. Enfin, comme c'est pas mon bureau définitif. Je sais pas comment je vais pouvoir refaire une prise, quoi, en fait. Mais voilà. Et d'ailleurs, est-ce que je peux aussi l'accrocher sans le pied? Ça, je ne sais pas. C'est à voir. C'est trop, trop cool. J'ai enfin ma cam. Là, j'ai tout mon setup. Il ne manque plus que mon bureau. En fait, ce que je veux, c'est un genre de plan de travail. Un truc comme un plan de travail d'angle, en fait. Donc, j'ai la place de mettre vraiment tout. J'arrive pas à enlever le plastique maintenant, encore une fois. Bon, voilà. Après, c'est bizarre. Il y a des plastiques un peu partout. Je sais pas si je dois les enlever. Je sais vraiment pas. Normalement, je dois... Ouh là là, pourquoi ça bouge? D'accord. C'est bizarre. Et après, je dois visser ça comme ça. Oh, c'est trop de ouf. D'accord, je l'ai pas mis droit. C'est génial. J'ai jamais reçu du matériel comme ça et tout. C'est un truc de ouf. Donc après, je trouve que pour le prix, c'est un petit peu cher. Mais en plus, je viens de me rendre compte. Enfin, c'est bizarre. Mais ça, c'est pour que... La boule là, c'est pour qu'elle ne bouge pas, mais je trouve que ça se défait très rapidement. Voilà, donc je sais pas si ça tient vraiment bien. Faut peut-être que je trouve le système, je ne sais pas. Mais après, sinon, les petites rallonges des pieds, il y en a en quelque sorte deux. C'est vraiment très, 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 très cool, très, très stylé. Donc là, je vais la brancher. J'enlève les papiers. Tiens, c'est bon. Toutes les boîtes de choses. Mon setup que j'ai, c'est abusé. Hop là. Si vous avez entendu un chat miauler, c'est qu'il y a mon chat juste là, en fait. Voilà. Alors, du coup, je la branche. Wow, c'est trop chelou. Donc là, il y a un logiciel à installer pour régler la caméra, voilà. Donc c'est un petit truc vite fait. Et aussi, en fait, j'ai longuement hésité à voir la vidéo sur quelle chaîne j'allais la mettre. Mais en fait, comme j'ai une vidéo qu'il faut que je monte, ma première vidéo sur ma chaîne gaming, c'est du Minecraft, c'est une présentation, donc voilà, et qu'il faut que je monte et j'arrive pas à faire le montage, j'arrive pas à déplacer les trucs pour que je puisse commencer le montage, donc ça me saoule. Mais j'ai pas voulu, du coup je vais pas mettre ce unboxing sur la chaîne gaming puisque l'autre c'est quand même ma première et tout très bon, voilà. Là, j'attends toujours. Après, je vais pouvoir essayer. Enfin, encore faut-il que quelqu'un réponde si... Enfin, pour que, par exemple, il faudrait que Hugo réponde pour qu'il me dise s'il me voit vraiment nickel. Sinon, après, je sais que je peux voir autrement. Mais si elle marche, je vais aller voir sur Skype, genre en changeant ma photo de profil. Et voilà, là, ça en est à la moitié du téléchargement. Et après, je vous ferai des petits plans. Donc voilà, c'est fini d'installer. Et en fait, j'ai déjà fait deux essais. Quand je Skype, en fait, elle marche. Mais quand je mets la page en stand-by, on ne voit plus, en fait, parce que j'ai appelé un gars vite fait. Bon, voilà. Donc du coup, elle marche, elle est nickel, nickel. Et je vais vous faire quelques prises. Voilà, donc en fait, elle est comme ça. Pour l'instant, je pense que je la mettrai là quand ça sera de côté pour la ranger. D'accord. Et pour les lives, je la poserai ici. Et en fait, vous voyez qu'elle marche. Mais ben en fait, par contre, quand je fais... Oula, désolée, c'est le téléphone bout. Quand je fais ça... Bon, évidemment, on peut pas regarder et regarder en même temps. Apparemment, ça marche quand même. Enfin, je ne sais pas, mais normalement, quand je mets le Skype en stand-by, mon pote m'a dit que ça ne marchait pas. Ah, faut peut-être que je fasse là. Voilà, elle se met en... Elle s'éclaire plus en fait dès que je mets le Skype en stand-by. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que la vidéo unboxing vous aura plu. Franchement, c'était trop trop bien. Je suis trop contente de mon achat. Et je remercie mon père parce que c'est lui qui me l'a acheté et commandé, évidemment. Et je suis trop 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 contente. Après, je comprends pas trop pourquoi quand je mets Skype en stand-by, ça capte plus. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, ça marche. Et je suis trop 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 contente. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous plaît ce genre de vidéo. Même si je commande pas très souvent des trucs sur internet, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. A plus, bisous.